L'acteur Mark Gilpin, aperçu dans le deuxième film Des Dents de la Mer, est mort à l'âge de 56 ans. Le frère de la star Perry Gilpin, Frazier, Otis Cleveland, est décédé après s'être battu contre un cancer. Triste nouvelle pour les fans des Dents de la Mer. L'acteur Mark Gilpin est décédé le samedi 30 juillet 2023 après s'être longtemps battu contre un glioblastome, un cancer du cerveau très agressif. Il n'avait que 56 ans lorsqu'il s'est éteint à Dallas, au Texas. C'est sa sœur, l'actrice Perry Gilpin qui a annoncé la mauvaise nouvelle au site américain The Hollywood Reporter. Sa sœur est connue pour avoir eu l'un des rôles principaux dans la série américaine Frazier. Plus récemment, elle a fait des apparitions dans diverses séries, telles que Les Experts, Modern Family, Hot in Cleveland, ou encore Medium et Desperate Housewives. Mark Gilpin s'est fait connaître au cinéma grâce au film Les Dents de la Mer. De Mark Gilpin était surtout connu pour son rôle dans le deuxième film Des Dents de la Mer. Il jouait l'enfant du shérif Chief Martin Brody, interprété par Roy Scheider, 1932-2008. En voyant l'annonce pour le casting du film sorti en 1978 et dirigé par le réalisateur français Janos Zwart, Mark Gilpin a tenté sa chance, sans penser une seconde qu'il décrocherait le rôle. Et pour cause, il n'avait que 11 ans à l'époque. Il a ainsi pu donner la réplique à de nombreuses stars telles que Roy Scheider, Anne Duesenberry, Donna Wilkes, Mark Gruner et Lauren Gary. Il a poursuivi sa carrière au cinéma pendant quelques années grâce à sa performance dans le deuxième volet des Dents de la Mer. Mark Gilpin a pu continuer sa carrière à Hollywood. Ainsi, il a fait une apparition dans la série Chips, mais aussi dans Fantasy Island et Ricky ou La Belle Vie. Par ailleurs, il a été vu dans les films Le Justicier Solitaire, 1981, Earthbound, 1981, et L'Amour Brisé, 1984. Mais finalement, il a rapidement changé de voie en devenant par lui-même un ingénieur logiciel. Il a travaillé plusieurs années dans une start-up, puis dans une autre entreprise qui lui a permis d'obtenir des brevets logiciels. En s'éteignant à seulement 56 ans, Mark Gilpin va retrouver sa sœur April, décédée en 2017 à 48 ans, et son autre sœur Patty, morte en 2020 à 57 ans. Take a chance, you can just keep